La mise au point, tac, on est bon. Bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à une fonction proposée par YouTube qui va être supprimée en fait de YouTube. On voit ça tout de suite. Ici, la fonction concernée, c'est une fonction de sous-titres. Comme vous le savez, sur YouTube, on peut activer des sous-titres qui s'affichent juste en bas de la vidéo et qui sont plus ou moins représentatifs de ce qui est dit à l'oral par le créateur, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire Cyprien, Squeezie, n'importe ce que vous voulez, qui vous voulez. Plusieurs fonctions de sous-titres sont proposées par YouTube, des sous-titres automatiques qui sont créés automatiquement par YouTube et qui sont d'ailleurs un peu bancales. Les sous-titres créés par les créateurs eux-mêmes de la vidéo, donc via des services de sous-titrage ou juste eux-mêmes intégrés à la main, et les sous-titres communautaires. Et c'est cette fonction qui va être supprimée le 28 septembre 2020 par YouTube. Cette fonction, elle permettait à tous les utilisateurs de YouTube d'ajouter des sous-titres, ou en tout cas de soumettre des sous-titres à YouTube pour une vidéo en particulier. Par exemple, tu es en train de regarder cette vidéo, tu te dis je vais y ajouter des sous-titres, tu accèdes à la fonction sous-titres communautaires, tu mets tes sous-titres, tu les envoies à YouTube, YouTube analyse tout ça, et si c'est bon, ben hop, il les met, il les intègre à la vidéo tout simplement, et puis quand les gens vont cliquer sur les sous-titres pour les activer, ben, ils s'afficheront juste ici, et sans faute, puisque ce sera un humain qui aura fait le sous-titrage et pas un truc automatique. Donc cette fonction va être supprimée le 28 septembre 2020, en cause une utilisation trop rare de la fonction et des abus et des spams. C'est une décision qui passe très mal chez beaucoup de personnes, notamment chez la communauté des sourds et malentendants. Bah oui, même ces personnes-là vont sur YouTube pour se distraire et pour pouvoir comprendre ce qui se dit dans une vidéo, elles activent les sous-titres, c'est comme quand elles regardent la télé. Donc ces personnes-là, les sourds et malentendants, demandent à YouTube malgré tout de faire en sorte à ce qu'ils gardent cette fonction, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est des sous-titres créés par un humain derrière. Donc c'est complément sujet-verbe, tu vois, ça suit, c'est pas dégueulasse comme les sous-titres automatiques de YouTube, hein, petit hop là dans la carotide là, ça fait un peu mal, hein. Bon, ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre. Alors il y a un cas comme ça un petit peu poussé dans l'art, c'est la youtubeuse Ricky Pointer, comme ceci, qui s'est entretenue notamment avec YouTube pour faire valoir l'idée de garder cette fonction au sein du site. Elle a évoqué bien sûr les sourds et malentendants, mais pas que. Elle s'est intéressée aussi aux personnes qui, comme moi, ne vont pas aller payer un service de sous-titrage annexe pour avoir des sous-titres propres, ou des gens comme moi aussi qui ne font absolument pas confiance aux sous-titres automatiques générés par YouTube, parce que c'est dégueulasse. Quelle indignité. Pour tout ça, il y a une pétition qui a été créée sur le site change.org. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai dans la description juste en dessous de cette vidéo. Une pétition qui, au moment où je tourne cette vidéo, a déjà recueilli plus de 265 000 signatures quand même. On a aussi le site The Verge qui a contacté les représentants de chez YouTube. Et l'information est arrivée, c'est que YouTube va proposer aux demandeurs 6 mois d'abonnement gratuit au service de sous-titrage Amara. Alors moi je ne connais pas ce service de sous-titrage et moi je prends les informations telles qu'elles me viennent. Donc Amara, c'est un service de création de sous-titrage pour des vidéos YouTube notamment. Il y a une partie des services qui sont payants et Amara proposait déjà une petite partie des services gratuitement. Une espèce de démo en fait, si vous voulez. On peut tourner ça un peu comme ça. Et bien ici, en partenariat avec YouTube, on va dire, hein, Amara va pouvoir vous offrir 6 mois d'abonnement gratuit full à Amara. Cependant, il faudra respecter deux petites conditions, c'est avoir créé au moins sur 3 vidéos des sous-titres dans les 60 jours précédant la demande d'abonnement à Amara. Donc au moins avoir créé sur 3 vidéos des sous-titres et respecter le délai des 60 jours précédant la demande. Donc dernier petit point sur Amara, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a déjà une petite partie des services actuellement qui sont gratuits. Bien sûr, c'est fait exprès pour qu'à un moment donné on vous pousse à payer. Donc vous arrivez très vite à la limite du gratuit en fait. Donc ça peut être une aubaine pour certains créateurs comme moi par exemple de proposer 6 mois d'abonnement gratuit à Amara en partenariat avec YouTube, sauf que pour moi, personnellement, c'est juste pas assez. Il faut que YouTube se bouge le cul et garde cette fonction de sous-titres communautaires. Je suis pour le respect des personnes
qui n'ont pas les moyens de payer des abonnements à je sais pas combien pour faire des sous-titres propres machin, et qui en ont marre des sous-titres automatiques de YouTube qui à chaque fois se foirent le cul, parce que c'est un truc, c'est une intelligence artificielle qui le fait, et puis c'est merdique, ça, franchement ça n'a ni queue ni tête ces trucs là. Donc je suis désolé YouTube, il faut garder cette fonction de sous-titres communautaires. Vous avez une communauté YouTube, il faut la faire vivre et pas les délaisser complètement à des trucs d'argent, de système automatique, tout ça, blabla. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste ici, Facebook et Instagram. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour être averti à chaque sortie de vidéo. Et puis n'oublie pas le petit pouce bleu sur la vidéo aussi. Si ça t'a fait plaisir, partage-la autour de toi. J'en profite aussi avant de terminer pour vous dire que cette vidéo, c'est la dernière du mois d'août, puisque je vais m'arrêter un petit peu. J'ai un permis C à passer. D'ailleurs, il y a des chances que je vous en parle à la rentrée, ça je verrai bien. Et justement, à la rentrée, donc mi-septembre, en théorie, il y a du beau. J'ai déjà établi des plans, mais il faut que j'arrive à le faire, ce plan. Parce que là, je vous dis rien, mais ça va claquer. Oh putain, ça va claquer fort. Oh putain. Donc soyez au rendez-vous. C'est barré la mise au point ou ça marche comment? Non, je suis là, non, ça va. Je reviens le samedi 12 septembre à 11h pour une nouvelle vidéo. Normalement, la vidéo du peuple, là, le... Ah, bordel, sa mère. Ça va être beau. En tout cas, c'était Rémi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous le 12 septembre à 11h. Bon mois d'août, bonnes vacances. Ciao, ciao. Et hop, c'est parti. On va à Punta Cana. Ou à Pontarlier. J'enlève mon micro, bien entendu. Je rends les armes.